Bonjour les enfants, encore une fois, une belle histoire. Il s'agit ici de l'aiguille. Alors suivez avec moi s'il vous plaît, essayez de bien vous détendre comme d'habitude. Écoutez bien, essayez de suivre l'histoire et après vous pouvez lire si vous voulez. L'aiguille. Berthe est assise par terre à côté de sa maman. Et elle coud comme une grande dame. Elle coud de la vraie toile avec une vraie aiguille et du vrai fil. Elle pousse l'aiguille dans la toile et le fil passe et repasse tout entier. Et elle ne veut jamais que la maman noue le fil. Comment veux-tu que je couse? S'il y a un nœud, dit-elle. Comment veux-tu que je couse? S'il y a un nœud. Moi, je fais un nœud, dit la maman. Avec un nœud, on coud mal, dit nettement Berthe. Et comme elle lève les yeux pour voir si on la regarde, elle se pique un peu et la sentit à peine. Va-t-elle pleurer? Va-t-elle rire? Elle s'informe. Elle est méchante, l'aiguille, dit maman. Elle est méchante, l'aiguille. Mais non, ma chérie. Elle est gentille, au contraire. Tu vois bien qu'elle veut jouer. Elle cogne à la porte de ton doigt. Elle demande poliment, peut-on entrer? Et il faut que tu lui répondes, gracieuse et d'une voix douce, en très mignonne. Ah, que c'est drôle, dit Berthe, qui se décide à rire de bon cœur. Alors ici, c'est Berthe qui parle. Elle est méchante, l'aiguille, maman. Alors c'est Berthe qui parle. Elle est méchante, l'aiguille, dit maman. Elle est méchante. Mais non, ma chérie, elle est gentille. Au contraire, tu vois bien qu'elle veut jouer. Elle cogne à la porte de ton doigt. Elle demande poliment, peut-on entrer? Et il faut que tu lui répondes, gracieuse et d'une voix douce. Entrez, mignonne, entrez. Ah, que c'est drôle, dit Berthe, qui se décide à rire de bon cœur. Puis, elle se remet à l'ouvrage, elle coud d'un air travailleur et elle attend que de nouveau l'aiguille la pique et dit qu'elle sent quelque chose. Entrez, mignonne, dit-elle. Elle s'amuse beaucoup, elle s'amuse même trop et devient imprudente. Comme l'aiguille ne pique pas assez souvent, elle l'aide et voilà qu'elle jette un cri. Cette fois, l'aiguille a pénétré. Une goutte de sang perle au bout du doigt. Et la main s'agite dans l'air. On dirait qu'une rose s'est blessée à son épine. Mais tandis que vite la maman suce le doigt et souffle dessus, Berthe, ses petites épaules secouées, répond tout de même. Entrez, mignonne. Alors, les mots expliqués s'informaient, veut dire se renseigner.
imprudente et ne prévoit pas le danger. Une goutte de sang perle. La goutte de sang qui apparaît est toute petite et rendre comme une perle. Vous pouvez chercher les significations des mots. Aiguille, perte, c'est un nom propre. Assise ou assis. Un nœud, gentil. Gracieux ou gracieuse. Travailleur, quelque chose. Imprudente, souffler. Voilà, c'est tout pour le moment. J'espère que vous allez bien vous détendre après cette histoire. Essayez de bien imaginer. Maintenant, vous pouvez lire si vous voulez. À la prochaine.